Pourquoi est-ce que c'est si important de replacer l'humain et l'éthique au cœur du projet de globalisation ? Écoutez, le monde traverse une crise considérable. Je pense que d'ailleurs, on n'a pas encore saisi toute la portée de cette crise. Et il nous semble absolument essentiel de replacer la personne humaine au cœur du processus de globalisation. Et il nous semble que la façon de le faire, la meilleure façon de le faire, c'est de s'ouvrir aux autres, en fait. En gros, c'est ça, d'être inclusif, d'avoir, de mieux connaître nos contemporains et de mieux savoir ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et la Zermatt constitue une plateforme de rencontre entre des gens qui viennent d'univers très différents, d'univers professionnel, d'univers géographique, d'univers religieux, d'univers culturel très différents, et donc qui nous permettent, dans une période de temps assez courte, finalement, d'échanger et de nous enrichir mutuellement. En fait, donc voilà un peu quelle est l'idée que nous avons. Il nous semble que cette ouverture et cet enrichissement mutuel est la condition pour pouvoir trouver des solutions en commun et éventuellement de nous orienter vers ce qu'on pourrait appeler le bien commun, c'est-à-dire un objectif qui est encore à définir, mais qui est un appel à avoir confiance dans l'avenir et en même temps qui est un appel à passer à l'action et à faire ensemble des choses avec nos contemporains. Voilà. Alors vous êtes à l'origine du Zermatt Summit, membre du board. Qu'est-ce que vous pensez de cette seconde édition ? Écoutez, je pense qu'on nous sommes contents parce qu'en fait, les gens qui sont autour de nous ont l'air contents, donc ils sont gentils. Il y a deux choses qu'on a pu faire cette année qui m'ont été très agréables. Je pense que nous avons un peu professionnalisé l'organisation du sommet, et ça, on en a fait quelque chose de plus serré, de plus construit, et donc de plus finalement dans lequel les gens vont se trouver plus à l'aise parce qu'avec moins d'improvisation, disons. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, moi, qui m'a fait très plaisir, c'est qu'on a vu des gens revenir qui étaient des intervenants de l'an dernier et qui sont revenus cette année sans avoir à intervenir et qui sont venus simplement participer à nos réflexions. Et ça, je dois dire que ça m'a fait très plaisir. Voilà.